Bonjour à tous, je m'appelle Erwan Deval, je suis consultant en neurosciences et leadership. Je suis passionné, un fou passionné du cerveau, un brain addict. Et cette belle aventure a commencé un petit peu difficilement. Elle a commencé il y a environ une dizaine d'années où j'ai eu la très mauvaise idée d'avoir une lésion au cerveau qui m'a mis à terre. Et j'étais à l'époque comme tout le monde, c'est-à-dire que je ne connaissais à peu près rien de mon cerveau et donc j'ai dû apprendre comment fonctionnait mon cerveau pour me remettre debout. Depuis ce temps-là, c'est devenu une passion absolue. J'ai eu une chance absolument extraordinaire, c'est de rentrer dans ce monde absolument fascinant de la recherche en neurosciences. Et aujourd'hui, donc, mon activité est multiple. J'ai une activité de conférencier sur tout ce qui touche au cerveau et tout particulièrement sur le neuroleadership et le neuromanagement. J'ai une activité d'auteur auprès des éditions Larousse et de conseiller éditorial, c'est-à-dire que dès que je repère un bon sujet sur le cerveau, que ce soit le cerveau, la musique, le cerveau et l'alimentation, le cerveau et le sport, etc., etc., je mets autour de la table des gens passionnés, des gens compétents et on crée des ouvrages sur ces thématiques. Je suis aussi consultant en entreprise. J'ai la chance de travailler pour des grands groupes, que ce soit privés, mais aussi pour des grands ministères régaliens. Et ce qui est aussi très important, je travaille pour des associations, j'interviens dans les écoles, parce qu'il est absolument essentiel que cette connaissance extraordinaire qu'on commence à avoir du cerveau irrigue l'ensemble de la société et pas simplement une élite, pas simplement une élite entrepreneuriale, mais irrigue l'ensemble de la société, de l'école à l'entreprise, aux établissements pour personnes âgées. On a tout à gagner, en fait, à aller vers cette meilleure compréhension de notre propre intelligence. C'est un défi absolument extraordinaire.